Je suis heureuse de vous retrouver, déjà le 7e rendez-vous, et c'est un rendez-vous important puisque nous allons parler de notre nouveau label CTE. Le CTE, c'est le contrat de transition écologique que va signer la communauté de communes avec l'État et de nombreux partenaires. Le but est d'accompagner et soutenir la transformation écologique des territoires. Le CTE montre l'engagement de la communauté de communes de Pouilly-Bligny pour la transition énergétique et écologique et pour la biodiversité. Il répond à deux objectifs. Être un territoire d'attractivité économique et en transition énergétique et climatique. Quatre axes dans le CTE. Lutter contre la précarité énergétique, favoriser la transition agricole et alimentaire, préserver les forêts et la biodiversité et favoriser l'innovation pour accélérer le développement des énergies renouvelables. Je vous emmène découvrir quelques projets. Dans le cadre du contrat de transition écologique, nous avions déterminé qu'un des axes importants était la mobilité de nos concitoyens, notamment à destination de leur lieu de travail. C'est pourquoi, avec la complicité d'APRR, nous allons travailler rapidement pour la mise en place d'un parking de covoiturage qui sera situé ici même à la sortie de l'autoroute. Le camion poubelle de la communauté de communes étant arrivé en fin de vie, il va être changé pour un modèle roulant à l'hydrogène et n'émettant donc aucun gaz à effet de serre. Parce que notre climat change et qu'il faudra s'adapter, la communauté de communes va mener avec des scientifiques une expérimentation pour aider la forêt. Des variétés d'arbres différentes, adaptées au changement climatique, vont être plantées ici, dans le bois de Pierceau, et nous allons suivre leur évolution sur plusieurs années. La communauté de communes avec le Pays Beaunois ont mis en place sur le territoire une aide financière pour vous aider à rénover vos maisons, pouvant aller jusqu'à 7000 euros. Je m'en occupe ici depuis mon bureau à Bligny-sur-Ouche. Bon, maintenant, allons le signer, ce CTE. Je vous souhaite la bienvenue, bien sûr, chez nous, et je suis très fier de votre présence pour ce grand événement qu'est la signature de notre contrat de transition écologique. Notre ambition est d'être un territoire pionnier, démonstrateur, porteur d'innovation, de qualité de vie et d'espoir. Notre petit territoire est fier de votre présence, mais il est également fier de son travail. Notre communauté de communes et ses 47 villages, ici représentés par la plupart de ses maires, veulent que leur avenir soit un bel avenir, respectant ses hommes et ses femmes, respectant son passé, son terroir et respectant sa terre. En vous remerciant à nouveau, Madame la Ministre, pour votre passage parmi nous, merci pour votre attention. Je suis ravie d'être ici parce que pour moi, la Côte d'Or, je vous l'avoue, est un département un peu spécial, en tout cas en ce qui concerne les contrats de transition écologique. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, vous êtes un petit territoire rural. On n'a pas besoin d'être gros pour entreprendre, on n'a pas besoin d'être nombreux pour inventer. Et en fait, ces petits territoires sont aussi des laboratoires dans lesquels on invente vraiment le monde de demain. Et moi, ce qui me frappe, c'est l'ambition de ce contrat. Parce qu'en gros, il couvre presque tous les sujets de la transformation, de la transition écologique. Je voudrais vraiment remercier tous les cofinanceurs, l'État bien sûr, l'ADEME, la Banque des Territoires, la région, le département, la Comcom, d'argent privé aussi, au service de cette transition écologique en cours. En fait, ça n'est même plus une transition, c'est une transformation. Et je crois que ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que ici, à Châteauneuf, dans la Comcom de Pouilly-Bligny, cette transformation, elle a commencé depuis longtemps. Elle est réelle et oui, vous avez raison, nous pouvons tous en être fiers. Merci. Madame la ministre, quelle est pour vous la particularité de notre CTE Pouilly-Bligny ? C'est un CTE très important parce qu'en fait c'est un petit CTE par le nombre d'habitants, donc 9000 habitants, mais très ambitieux puisqu'il y a des actions en matière d'énergie, notamment production d'énergie locale, ce qu'on appelle une boucle locale, des actions en matière d'alimentation et d'agriculture sur les farines anciennes, une ambition sur les forêts et tout un travail aussi sur la rénovation des bâtiments et la précarité énergétique. Donc voilà, un CTE ambitieux, fort, porté par des élus passionnés. Et vous, quand rejoignez-vous notre CTE ?